Louis Debouzy, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Amabilis, vous accompagnez les personnes en situation de dépendance. De quelle manière ? Alors Amabilis a été créé il y a un peu plus d'un an, en décembre 2014, sur un constat simple. Je suis moi-même en situation de handicap depuis plus de 17 ans maintenant et j'ai été moi-même client de société de services à la personne et j'ai eu énormément de difficultés pour trouver des intervenants de confiance et de qualité. J'ai décidé du coup de créer Amabilis pour… Pour combler ces lacunes de ces entreprises auxquelles vous-même vous avez été confronté, c'est ça ? Exactement, et utiliser donc mon expérience de personne en situation de handicap pour tenter, j'espère, de recruter des intervenants qui sont engagés, motivés, impliqués dans leur mission quotidienne. Alors qu'est-ce que vous avez créé chez Amabilis pour combler ces manques chez vos concurrents finalement ? Alors notre valeur ajoutée, c'est vraiment le temps que l'on passe dans nos recrutements. On met vraiment l'accent sur la qualité de nos intervenants, sur la qualité de nos candidats. Sur 100 CV, en moyenne, on ne prend que 2 personnes. Donc on a vraiment une politique stricte de recrutement, ce qui nous permet d'avoir des profils beaucoup plus intéressants et beaucoup plus engagés sur la durée. Vous parliez du temps, c'est un gage de qualité dans votre secteur d'activité ? Bien sûr. Le temps long ? Oui. L'intuition que j'ai, c'est qu'il faut vraiment mettre tous les efforts sur le recrutement. Tout se fait en amont. Ensuite, il y a bien sûr des ajustements à faire chez les bénéficiaires. Il y a parfois un feeling, un relationnel qui ne passe pas. Mais la plupart du temps, lorsqu'on met vraiment l'effort sur ce recrutement et sur ce temps passé, on arrive à trouver des profils intéressants. Une personne en moyenne en situation de dépendance passe combien de temps par semaine avec l'auxiliaire qui vient à son domicile ? Alors tout dépend du niveau de dépendance de cette personne, de ce bénéficiaire. Chez Amabilis, nous commençons les prestations à partir de 50 heures par mois, ce qui nous permet, là encore, d'avoir des profils, des candidats qui sont davantage motivés, impliqués, parce que nous pouvons proposer à ces personnes-là des missions qui sont beaucoup plus stables, récurrentes et qui permettent de créer un vrai lien de confiance entre l'intervenant et le bénéficiaire. Moins fragmenté finalement, on ne passe pas une heure chez l'un, une heure chez l'autre, on a un vrai accompagnement des personnes en situation de dépendance avec Amabilis. C'est ce qui vous rend incontournable aujourd'hui sur ce secteur ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je prends mon exemple, mais c'est l'exemple aussi d'un certain nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, des amis ou des connaissances, qui faisaient appel à des sociétés de services à la personne. C'était des sociétés qui leur envoyaient 3, 4, 5 personnes différentes par jour. On perd le côté humain. On perd le côté humain. Le lien n'est pas établi et donc du coup, le lien n'est pas établi. Le travail est moins bien fait, j'imagine. Le travail n'est pas souvent très bien fait. On doit systématiquement expliquer à nouveau les gestes, les habitudes aux intervenants. Il y a un problème de formation. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur 100 CV, j'en prends peut-être que 2. Là, il faut répéter les gestes. Est-ce qu'il y a un problème de formation ? Alors, il y a un problème de formation, évident. Il y a également un problème d'image. Le métier d'auxiliaire de vie est considéré comme un métier facile d'accès. Par qui ? Par les auxiliaires eux-mêmes ? Par les pouvoirs publics ? C'est un mélange de par les pouvoirs publics, par les organismes comme Pôle emploi et par justement ces formations qui ne sont pas assez valorisées et qui contribuent à alimenter cette idée que c'est un métier que tout le monde peut faire. Si vous vous êtes occupé de votre grand-mère ou de votre ami qui s'était cassé le bras en vacances, vous êtes considéré comme ayant la sensibilité, ayant les compétences pour faire ce métier. Il y a un sentiment de facilité qui n'est absolument pas vrai, en fait, quand on se retrouve confronté au réel problème des personnes en situation de dépendance. C'est ce que vous essayez de faire comprendre avec Amabilis. C'est aujourd'hui votre mission à la fois pour votre entreprise, mais c'est aussi une mission d'intérêt public, finalement, si je comprends bien. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a un message à faire passer à travers votre entreprise. Bien sûr. L'idée, c'est de faire comprendre vraiment à nos collaborateurs, assistants de vie, auxiliaires de vie et de soignants, que leur travail, c'est un vrai travail. Ce n'est pas un travail pour passer le temps, pour combler un manque, pour gagner de l'argent. C'est évidemment
un métier qui doit être valorisé financièrement, mais c'est aussi un métier qui a un vrai sens. Je voudrais dire que chez Amabilis, nous ne recrutons pas seulement des personnes qui ont 15 ans d'expérience, et j'allais dire que ce n'est pas forcément un gage de qualité. Mmh. Je vous reprends mon exemple. Je croyais, lorsque j'ai commencé à faire appel à des sociétés de services à la personne, qu'il fallait des gens formés avec 15 ou 20 ans d'expérience. Il faut évidemment que des personnes aient une expérience même minime de la dépendance, mais il faut avant tout que ces candidats aient une sensibilité. Un réel intérêt. Un réel intérêt et qu'elles aient vraiment le sens du service. On est sur un métier qui est complexe parce qu'on est dans l'intimité des gens. Demain, je débarque chez vous, je dois m'habituer à vos habitudes de vie, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et il y a un vrai besoin de service. Vous êtes là pour attendre. Pour obtenir un service. Exactement. Et vous êtes, vous payez cette prestation et vous êtes en droit d'attendre un vrai service. Alors vous l'avez dit, Amabilis a été créé il y a un an. Quels sont vos objectifs à court terme et à plus long terme? Nous voulons clôturer l'année 2016 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais nous avons également des objectifs beaucoup plus concrets, quotidiens, que nous essayons d'atteindre chaque jour. La satisfaction de nos clients et la satisfaction de nos collaborateurs, assistants de vie, auxiliaires de vie et aides-soignants. Voilà nos deux objectifs. Des objectifs concrets, financiers, mais aussi humains, encore une fois, vous le rappelez. Vous êtes ici sur ce plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus, un réseau que vous venez juste de rejoindre. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Alors, Croissance Plus nous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances. Croissance Plus organise des événements vraiment de manière très régulière autour de l'entrepreneuriat, autour de questions de croissance évidemment, de propriété intellectuelle, de questions juridiques que l'on doit se poser quasiment chaque jour quand on est entrepreneur. Nous évoluons dans un environnement juridique, réglementaire, que nous devons respecter, que nous devons parfois bousculer. S'adapter et le bousculer en même temps. Exactement. Et ça, Croissance Plus peut vous venir en aide là-dessus. Croissance Plus nous apporte vraiment de l'énergie et des connaissances. L'équipe est vraiment, je tiens à le dire parce que alors nous sommes en lien avec d'autres réseaux d'affaires, d'autres cercles. Et c'est vrai que Croissance Plus est vraiment extrêmement dynamique. On sent vraiment qu'il y a une volonté d'accompagner les entrepreneurs pour les aider dans leur croissance, les aider dans leur production de valeur ajoutée, et qu'on est vraiment sur quelque chose qui a un vrai sens. Donc, Croissance Plus, c'est pour nous vraiment quelque chose de bien. Merci Louis de Bouzy, on vous souhaite le meilleur pour cette toute jeune entreprise Amabilis que vous avez créée il y a un an à peine. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Hop. Ok, merci. Ça a été ?